Salut à tous, nous sommes samedi, on va être le premier, je pense, ou le deux, j'en sais rien. Un petit peu de changement de paysage, on a quitté nos bois, encore que on est en train de faire le petit bois, la dôme y est encore. Et moi j'ai décidé de me promener un petit peu sur la plaine là. Alors j'ai fait un peu plus loin là-bas, une infrasemeuse que j'ai pas filmée. Et puis une sorte de boucle dans le bois. Si je l'ai, je vais vous la montrer. Enfin, je l'ai, mais où? Caché quelque part, certainement. À moins que je l'ai reperdu. Ça m'étonnerait pas de moi. Ah non, elle est là. Et puis, donc, on longe cette. Il y a une belle rivière là. Longer. On est un petit peu loin des habitations, mais. Donc, dans le bois, j'ai trouvé cette sorte de boucle. Une plaque, enfin, en tout cas, bon, ça on dit, je sais pas si c'est du plomb ou de l'étain, je ne sais pas. Alors, voyez. Couvercle de boîte, on sait pas ce que c'est. On a regardé un petit peu avec Dom, il n'y a pas d'inscription. Bon, ça ressemblerait quand même à une boucle peut-être, mais vous voyez. Alors, il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui. Que ça bloquait quelque chose à ce niveau-là, mais bon. On verra bien, une boucle comme celle-ci, comme ça. On verra une fois nettoyé si on voit un petit peu, s'il y a un peu de décoration. Bon. Enfin, c'est sympa. Bon. Et puis donc ici un petit trou, j'ai un son net, ouais, il est bien, bien visible ici, un joli bouton à la grenade il y avait longtemps. Voilà. Bon écoutez, on va continuer à faire le pré moi. Il ne devrait pas venir celui-ci. Je pense qu'il est encore tout vert. Mais je pense que c'est la couleur du bouton parce que. Voyez, regardez ça. Il va avoir des beaux reliefs celui-ci. Bon bah écoutez, je vais continuer par là, vous voyez, moi je me rapproche, la rivière est juste là, là elle file. Donc on a fait le bois au bordure de rivière. Voilà, ouais, je vois qu'il y a un lacet. Alors ça doit pêcher un petit peu. Ça devait pêcher déjà il y a longtemps. Alors je vais essayer de longer. Alors je vais faire le petit pré là qui m'a l'air intéressant. Mais je vais longer la rivière tout le long là en attendant d'homme. Voilà. Et puis s'il y a quelque chose, je vous reprends. En tout cas, ça change, il fait bon. Il n'y a pas de vent. On a un champ de maïs aussi là que j'avais déjà fait. J'avais trouvé un peu de loup 16. Et puis le bois, la voiture, on la voit, elle est là-bas. Et on fera peut-être une partie du bois là qu'on n'a jamais fait. C'est le moment, hein, les bois sont beaux là. La neige a fondu, tout est aplati. Donc faut faire, faut le faire. Je ne sais pas si d'ici vous verrez, mais bah, y a celui-ci, le bois où j'avais trouvé quelques bricoles. Bon, je continue à balader et je vous reprends la prochaine trouvaille. Bon, je vous reprends, on a changé de coin avec Dom, on a fait un peu le pré et puis en revenant c'était calme. Et donc on a en bordure de route, il y a ce morceau de bois sur le devant lequel on est passé souvent mais qui est infaisable d'habitude avec la végétation. Et là comme il était à peu près correct, on a décidé de ratisser un petit peu. Alors Dom a fait deux monnaies déjà dans le coin. Moi j'aime assez profond ici. Voilà la première. On va former un napo, hein, mais on verra. Bon, elle va être bien bouffée. Hein. Bon, peut-être un 10 cm napo. Voilà. On verra le nettoyage, m'a coûté. Deuxième monnaie de la journée. Hein. Et puis un petit bouton. On n'a pas sorti longtemps. Je vais continuer à calerie un petit peu. Hein, et puis on verra ce que ça donne. On est tout près de la route. Alors Dom a dû, il y a un petit cours d'eau encore là-bas. Donc on va voir. Bon c'est hyper pollué par contre. Hein. Il y a beaucoup d'alus, de boîtes de concert, de choses comme ça, c'est normal. Il y avait un ancien talus là aussi. Alors est-ce que c'était un chemin ou une délimitation de terrain? C'est toujours pareil, hein. C'est difficile à savoir. Ah, je vois mon ami Dom qui est là-bas. Donc je calerai encore un petit peu et puis je pense que là ça va se terminer maintenant. Bah écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres trouvailles, bah bonne détection à tous. Je pense que j'attendrai d'avoir une autre petite vidéo pour mettre la suite de celle-ci. Et puis un bonjour à tous. Allez, à plus. Voilà, bah vous voyez, je vous ai quitté. J'étais juste sur le trou là en bas. Là. Et on a l'envers d'homme au pied de l'arbre. Là. Hop, nouvelle monnaie. Ce coup-ci, format 5 centimes de peau. Bon, elles vont être râpées, je pense, mais...
mon avis, il n'y aura pas grand chose à en tirer. Peut-être qu'en dessous il y a une patine, mais bon, je sens qu'il y a des concrétions là, mon avis. Ça sera rapide. À part de ce côté-là qui a l'air d'être pas mal, vous voyez. Voilà, on voit un petit peu le passe, un petit peu de visage. Mais ouais. Bon, ouais. Ça sera limite, mais bon, c'est de la monnaie. Ça va, mon homme? T'as trouvé quelque chose? Ouais. Bon, l'endroit est pourri, hein, mais bon, on est obligé d'aller doucement, c'est pas désagréable. Hein? Bon, c'est. Le plus désagréable, c'est de croiser un mec comme ça dans les bois, mais sinon. Heureusement qu'on connaît, on a moins peur. Bon, bah, on va pas tarder, de toute façon, mais. Le dôme a fait aussi deux nappes. Donc, format 5, et puis moi j'ai un format 10, mais qui va être un peu. Qui va, à mon avis, être pareil, un petit peu rincé. Ah, ouais, quand même. Il en a partout dans les poches. Je pense qu'il doit en ramener de temps en temps. Voilà, donc vous voyez, hein, au bord de route, un coin qui paye pas de mine, vachement pollué, on arrive à trouver un peu de monnaie. Bon. C'est le même coin. Ici, ça sonnait bien au départ, mais après moins bien. Bon, c'est ici, elle est écrasée, hein, c'est une bague à coudre. J'ai eu du mal. Hein. Je pensais que c'était une merdouille au départ. Et puis... Bon, c'est les... En cuivre, je pense. Cuivre ou fer, je ne sais pas. On verra. Enfin, de toute façon, elle a bien mangé. Ouais. Alors, j'ai cru. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle doit être en cuivre. Bon, elle est un peu écrasée. Bon, un nouvel objet, moi. C'est-à-dire que ça s'arrête un petit peu le bord, là. On va continuer. Salut les jeunes. Et moins jeunes aussi. Bon, petite virée aujourd'hui, là, avec Dom, qui doit être caché par là-haut. On a retrouvé nos montagnes. Bon, rien pour le moment, ça fait une demi-heure qu'on est là. Moi je profite surtout pour me balader, j'avoue que j'ai perdu un peu la motivation ces temps-ci, donc j'y vais tranquille. Donc là, vous voyez, un joli petit ruisseau. Voilà, qui monte jusqu'à un étang. Donc j'étais en train de farfouiller autour, on sait jamais, mais bon. C'est pas un endroit. Enfin. Je le sens pas trop, hein. Je pense qu'on aurait dû trouver des traces bien avant une demi-heure, là, par un petit bouton de dôme, mais sinon c'est vraiment mort. Mais bon, je vais quand même le remonter, et puis il y a un chemin qui... Vous voyez, il y a toujours ces habituels murets de pierre un peu partout, donc il suffit de trouver le bon passage. Hein. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois avec dôme de passer des heures à rien trouver, et puis d'un seul coup tout trouver sur un petit périmètre. Bon, donc en plus j'ai plus beaucoup de batterie sur mon portable, donc je vais arrêter là, et puis je vais essayer de garder un tout petit peu de batterie si jamais je trouve quelque chose. Allez, à tout à l'heure. Comme vendredi, je sais plus combien, hein. Ça a peu d'importance. Donc je suis sorti avec Dom qui est là-bas. Bon, pour l'instant on trouve rien, ça changeait pas, mais donc on attaque un bois qui est énorme. Donc, je voulais simplement m'arrêter un petit peu pour vous montrer, parce que bon, ça devient de plus en plus rare, en tout cas vers chez nous. Regardez ça. Ouais. Cet arbre, alors, je sais pas si vous verrez, mais bon, il doit faire pas loin de 40 mètres de haut. C'est sympa. Donc il y en a plusieurs comme ça. C'est rare qu'on voie des arbres si vieux. Hein. J'en vois un là-bas au fond, là aussi. Celui-là, là. Celui-ci qui monte là. Bon, ceux-ci sont un peu plus jeunes. Et ici, une marelle. Donc, si elle existait... Bon, à mon avis, hein, il y a un petit ruisseau, là. Donc, ça devait exister déjà il y a longtemps. Donc, ça peut être un point de repère pour un point de passage. On est en train de regarder. Donc, c'est un endroit où le bois se creuse un petit peu. En tout cas, le coin est super sympa. On voit de toute façon là-bas la végétation. Il y a beaucoup d'herbe. Donc on va regarder, il y a une sorte de petite digue là, je sais pas si c'est naturel ou artificiel, hein. Ça fait un petit... Peut-être que c'était humidifié là, je sais pas. Bah écoutez, on va voir, hein, si au moins des chasseurs. Alors là, notre ami Dom, il est loin, ça vous donnera un petit peu l'idée de la grandeur des arbres, même des jeunes. Juste entre les deux arbres, sur la fourche, il est là. Donc ouais, les arbres sont... Je me dis, le grand là, il fait une bonne quarantaine là. Ça faisait des années quand j'en avais pas vu. Derrière il y en a un beau aussi.
Et on sort beaucoup, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu des vieux chênes. Ça fait plaisir. Bon, je vois là-bas derrière. Il y en a un beau aussi, un costaud là. Avec toutes les forêts, soit comme ça fait bien plaisant quand ils en laissent quelques-uns quand même. Bon, bah écoutez, on va continuer à filmer, enfin à filmer aussi. Il fait beau comme ça aussi. Il y a des trucs, bon, des trouvailles en ce moment, j'y crois pas trop, donc on aura fait notre petite interlude. Et puis on va continuer surtout à se balader là pendant qu'il fait bon. En espérant, allez, une petite monnaie quand même peut-être, mais là, ça devient dur ces temps-ci. Notre ami Dom creuse, on sait jamais, on verra. Bon, bah je vous reprends tout à l'heure s'il y a quelque chose. Sinon, j'irai peut-être me baigner, mais enfin, c'est encore un peu gelé. Hein. Allez, à plus. 2 heures hein, qu'on trouve rien. Mon petit ami Dom, il est là. On s'est rapproché de la route qu'on a faite. Mais un peu plus loin, on l'a faite il y a quelques temps, on l'avait montré à plusieurs reprises, on avait trouvé un petit peu de Royal. Et là on vient de descendre, la voiture est juste là, hein, je suis remonté un petit peu le chemin. Et ici un son franc, et je suis content, il y avait longtemps une jolie boucle. Mais dis donc, ça a l'air d'avoir une belle patine. 17-18ème, Dom va peut-être me le confirmer. Elle est peut-être même plutôt du 17 que du 18. Mais en tout cas, il y a une belle patine. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir de retrouver un petit peu de Royal. Bah, de trouver tout court, parce que là, on était vraiment. Ouais, bah écoutez. Sympa comme tout. Et bah, on va quadriller et recadriller. Bon, bah, écoutez, je vais vous reprendre. Je pense qu'on va retrouver quelques bricoles. Je vous reprendrai tout à l'heure. Et puis, si c'est la seule trouvaille de la journée, profitez du soleil. Ça commence à chauffer. C'est sympa. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, notre ami Dom vient de trouver une petite médaille militaire par là. Il commence à désespérer. Et puis, je suis allé le voir et en revenant, je reprends le chemin. Ici, une monnaie. Une monnaie. Il y avait longtemps. Alors, je vais pas la frotter trop, il y a l'air d'avoir des restes. Hein. Ouais, c'est un appôt. A priori, il y a des beaux reliefs. Je sais pas si vous voyez. On verra si la patine est... Et solide ou pas. Bon, peut-être. Hein. Vu la boucle, ce sera peut-être joli. Hein, ça sera. En tout cas, là, on voit bien le visage déjà. En espérant. Bon, bah écoutez, une monnaie, ça fait du bien. Ça fait. Voilà. Patine a l'air sympa en plus. Bon, bah écoutez, on continue. Je vous avais dit, je le sentais qu'on allait retrouver quelques bricoles dans le coin là. On va continuer à quadriller, il nous reste une petite heure. Et ça fera enfin une sortie avec quelques trouvailles. Hein. Moi j'en suis à 5-6, peut-être même plus, sans rien trouver du tout. Et vous voyez, dans les endroits où on est allé, proche. Voilà, bon, la route est pas loin. Allez, peut-être à tout de suite, j'espère. Bon, bah, vous voyez, comme quoi, hein. Ça dépend des coins. Hein. Alors, Dom est là. Donc, un petit ruisseau, là, j'ai sauté le ruisseau pour voir un petit peu au bord. On était un tout petit peu plus vers le haut, là, tout à l'heure. Et je viens d'arriver. Et là, j'avais un son qui était franc, mais un petit peu style alu. Voilà. Alors, c'est un petit bouton. Je pense que c'est du militaire encore. Je sais pas s'il y aura. Alors, il a l'air d'avoir gardé son brillant. Alors, on verra bien. Militaire ou civil, je ne sais pas. Bon, écoutez, encore un objet sympathique. Voilà. Bien cool. Sortie variée, ça fait du bien. Allez, on continue un petit peu, là, on n'a plus beaucoup de temps. Et on fera peut-être une petite vidéo quand même cette fois. La dernière fois, moi j'étais parti, donc il y avait une grosse digue là. Vous avez une vidéo où j'ai trouvé un briquet.
Donc j'avais fait la digue, mais de l'autre côté, je m'étais toujours promis de faire de ce côté-là. Et là, effectivement, il y a un gros chemin là qui monte là à travers le. Alors, si ça se trouve, de l'autre côté, j'avais rien trouvé. Mais c'est fort possible que, en fait, ça passait là, en fait. Donc, je vais cadrer un petit peu comme ça. Et si vraiment il y a des traces de passage, alors je recadrerai, je reviendrai. Et moi, j'avais fait la butte pareil, mais complètement à l'opposé. Alors, peut-être que celle-ci sera plus intéressante. En tout cas, il y avait de toute façon du cantonnement militaire. Hein. Il a trouvé deux plaques, un petit peu de napeau, une sorte de bouton. Donc, ça devait s'arrêter là. Bon, allez, à tout de suite. Bonjour à tous. Bon, nous sommes samedi. Un petit ami d'homme. On va peut-être trouver quelque chose là. Ouais. Ouais, possible. Bon, je vais juste vous faire profiter du coin. On est au même endroit qu'hier, mais on a poussé, on s'est enfoncé dans le bois. Il est magnifique ce bois. Alors pour l'instant, pas de traces de. Enfin, non, très peu de traces de passage sur cette partie du bois. Là, il y a un superbe étang. Alors on est arrivé par le dessus là et on est en train de longer le bord. Alors je sais pas, peut-être qu'on va aller faire un petit tour en bas. Moi personnellement, donc là il y a un village, il y a notre ville est par ici nous. Et je pense que bon, on avait trouvé donc dans ce bois, hein, je sais pas si vous vous rappelez, on avait trouvé pas mal de royales et on les avait trouvé plutôt par là-bas. Alors on en a trouvé, on a trouvé des traces de passage le long. Il y a une route aussi qui va dans un village qui est là-bas. Et à mon avis, il y a un axe qui vient sur cet étang là. Parce que c'est un étang qui est assez connu, qui est assez ancien. Et donc moi je crapahute un peu partout pour essayer de trouver un ancien chemin ou récupérer le chemin qu'on voit partir là où on était la dernière fois. Donc bon, bah c'est pas facile, hein, c'est extrêmement grand. Il y a certainement des choses sympathiques dans ce bois, mais voilà, pour ratisser, je pense qu'à ma retraite, à la retraite, on n'aura toujours pas fini de le faire, tu vois. Donc celui-ci, je me le réserve quand j'ai envie de me promener. Et puis, parce qu'il est super agréable. Et puis bon, s'il y a des trouvailles, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. On vous reprendra tout à l'heure, hein, s'il y a quelque chose à vous montrer. Je pense que Dom, lui, a dû trouver quelque chose. Peut-être une petite monnaie. Et puis, je mettrai cette vidéo, cette petite vidéo à la fin de, à la suite de la sortie d'hier où on avait trouvé quelques bricoles, mais pas grand-chose. Voilà. Mais en tout cas, le temps est impeccable, donc ça va nous remotiver, je pense. Allez, moi, tout à l'heure, je vais aller voir le petit Dom s'il a trouvé quelque chose. Oh, le Dom est par là. Bon, il a fait sa belle clochette là-bas. Donc, on avance, hein, toujours. Là, le son était net au départ, mais vraiment limite à lui, hein. Et c'est ici. Mais... Ouais. Donc, je pense que c'est encore une bouterolle, ça. On va voir. Ouais, je nettoie un petit coup. Ça ressemble bien. Donc on verra, je vais regarder sur internet. Moi, pour moi, c'en est une, mais on peut se tromper. Voilà, bon, bah, écoutez, on va voir s'il y a d'autres objets dans le coin. Je pense que ça sonne à côté, pareil, un peu à lui. Je vais jeter un oeil, c'est peut-être le reste. Il y a peut-être un autre bout. Ça nous permettrait de confirmer. Eh bien, écoutez, la prochaine trouvaille. Hein. Ah, voilà. Bah, je vois le Dom là-bas caché entre les arbres, il a dû retrouver quelque chose. On a trouvé ce. Vous voyez, on a fini par trouver un chemin au milieu de ce bois là. Donc des fois, faut insister. Alors maintenant, est-ce qu'il a été fait, pas fait, on ne sait pas. Alors il serpente là dans le bois. Et vous voyez, regardez. Mais à mon avis, c'est pas du tout neuf. Bon, en tout cas, donc ici j'ai trouvé un morceau de bronze. Et puis ici, là, bon, ça sort bien vert clair. Hein. Donc une monnaie. Bon, elle va être pourave de chez pourave. Elle est arrondie, donc je pense que c'est plus une royale. Je pense pas une napo, je pense une royale. On verra, des fois on arrive à les avoir. Hein. Peut-être une loulou. Mais ouais, vous voyez, ça va être difficile. Bon, moi je pense que c'est un sol à l'écu, mais on verra. On verra au nettoyage. Voilà, bon, bah écoutez, une monnaie dans la journée, c'est... C'est pas mal, hein, sur le chemin, donc il y a des chances que ça n'ait pas été fait. On va continuer à le monter et puis on va bien voir. Peut-être un petit peu de relief de ce côté-là.
Ouais, je suis pratiquement sûr que c'est un sol à l'écu, hein. Je sais pas s'il y aura des restes, mais voilà. Bon, bah écoutez. On continue. J'ai un petit coup de mou là, mais bon, ça va repartir. Je suis remonté le chemin, moi, tranquillement. Allez, à tout à l'heure.